Bonjour à tous et bienvenue à cet autre numéro du Flash d'information sur Télé-Wallisie. Grosse interrogation dans ce Flash d'information, quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle africaine dans la résolution de la pandémie actuelle du Covid-19? Pour cela, faisons un tour au Cameroun où nous avons recueilli des explications très particulières auprès de spécialistes en matière de traitement de différents cas modérés ou sévères. Reportage. Face à la crise sanitaire mondiale du Covid-19, des pistes de solutions pour en sortir sont proposées grâce à des travaux réalisés en laboratoire par un médecin camerounais. Nous avons étudié les formules chinoises et nous avons trouvé des équivalents au Cameroun, en Afrique. Et nous avons aussi fait des formules qui permettraient d'adresser des infections à coronavirus. Et parmi les plantes que nous avons en Afrique, il y a des plantes qui avaient déjà été testées contre le coronavirus. Les explications et quelques méthodes livrées ici par cette biochimiste s'avèrent crédibles comme méthode de guérison via des plantes médicinales africaines. En effet, ces différentes bouteilles et autres produits exposés dans les marchés africains sont de véritables boosters et supports de sensibilisation et exhortation à la médecine traditionnelle africaine. Que comme cela se fait depuis des millénaires, que la tradition africaine inspire les Occidentaux et le monde entier, nous pensons aussi que la solution se trouve en Afrique. Et nous pensons que nous allons vaincre le Covid-19. La médecine traditionnelle africaine, adjointe à la médecine occidentale, serait donc la solution parfaite à administrer aux patients atteints du Covid-19. Et par-dessus tout, ces recherches sont sollicitées par les grandes puissances mondiales. À l'heure actuelle, nous recevons des appels des États-Unis, de l'Europe et d'autres pays africains. Et ces personnes sont en train d'utiliser la pharmacopée traditionnelle africaine pour se soigner ou pour la prévention. Revenons à Libreville et par ces temps de confinement général du Grand Libreville, les artères de la capitale sont vides. Les mesures de sécurité pour la circulation constituent un véritable changement de paradigme, ainsi que nous le font constater nos confrères de Gabon Première. Le front de mer de Libreville, aux allures d'un lieu abandonné. Le trafic habituel a laissé place à une avenue plutôt désert. Au quartier Atoabe, les taxis et taxibus sont stationnés, ce qui plombe vraisemblablement le business des transporteurs urbains. Les quelques véhicules qui circulent présentent des autorisations. Les circons voisins s'adaptent à ce changement de paradigme en vue de freiner la propagation du coronavirus dans le pays. D'autre part, une nouvelle activité commerciale occupe depuis quelque temps des jeunes et autres citoyens dans les marchés africains, dont la plupart des magasins sont fermés. C'est en effet le commerce des cache-nez, un business qui, pour sa part, tourne plutôt bien, comme on peut le constater dans ce reportage. Donc, comme le ministre aussi nous a encouragé à la télé, pour dire que le tissu cache-nez aussi est bon, j'ai fait la doublure 1 mètre à 1000 francs, non, je n'ai pas fait. Des fois, si tu fais pour 1000 francs, là, tu peux avoir 7 pièces. Tu fais à 500, il y a les clients aussi qui disent qu'il n'y a pas 500, tu donnes à 300. Pour la note culture de ce flash d'information, la pandémie du Covid-19 a également ses conséquences dans le secteur événementiel. Le cas précis du groupe Divine Productions Sizandingayon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, où nous avons tendu notre micro à quelques responsables d'événements culturels. Suivons-les sur ces images. Au groupe Divine Productions, toutes les activités ont été suspendues après les mesures prises par les autorités face à la lutte contre la Covid-19, qui est une pandémie. Tout le monde, on va dire, tous les pays sont touchés. Donc tout a été mis sous, tout le monde est sous confinement, plus de rassemblements. Donc tous les événements ont été ajournés. Et donc le Festi Ciné n'a pas été épargné, puisque si la Coupe du Monde et tout ce qui se passe dans le sport, comme des fois un événement culturel. Le 6e est un concours de vidéos amateurs. Nous avons repoussé l'événement pour une date ultérieure. Une fois, le gouvernement avait annoncé les mesures nationales de confinement. C'est pour cela que nous avons repoussé. Que se referme ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Télé-Wallisie.